perd depuis plusieurs mois, l'animateur Camille Combal a parfois quelques désaccords avec sa femme concernant l'éducation de leur fils. Désaccord qu'il prend toutefois avec humour. Voilà environ 8 mois que Camille Combal est papa. CST à ce titre qu'il était invité dans 3 Darons un café, un nouveau podcast vidéo diffusé sur la chaîne YouTube Daron Télévision dans lequel deux amis, Rémi et Charlie, également père de famille, abordent la paternité sous un angle décalé avec leur invité. Pour cette première, ils ont donc décidé d'accueillir l'animateur à succès de TF1, connu pour son humour décapant, Camille Combal. Dès le début de son interview, celui-ci a décrit la paternité comme un tsunami de tout, de galère, d'amour, de tout change. Si est-il un vrai délire? Alors qu'il a révélé à ses hôtes quelle était l'exigence de sa femme pour son accouchement, le nouveau papa s'est aussi confié sur le déroulement de la grossesse, le changement de comportement des deux parents à la naissance du bébé, le premier trajet en voiture mais aussi le partage des tâches avec sa femme. T'as intérêt de suivre les règles. Si est-il ensuite sur la différence de conception vis-à-vis de l'éducation que l'animateur de divertissement s'est arrêté, si est-il marrant, si est-il quelque chose dont tu ne parles pas en couple. Tu parles jamais d'éducation avant que ça arrive. Si est-il au moment où ça arrive, où t'es engagé avec quelqu'un. Il y a l'enfant qui arrive et tu dis à CIST comme ça que tu vois la chose? D'accord. Parce que moi c'était dans un autre registre. CIST marrant parce que CIST un truc que tu découvres sur le tard. L'animateur de Mask Singer décide alors de ne dire plus sur sa situation à la maison, nous il y a des règles, t'as intérêt de suivre les règles. Genre l'écran, on en parle? Camille Combal se met alors à décrire la réaction de sa femme lorsqu'il sort son téléphone portable à côté de son fils. Je suis massacré. Dès que je prends le téléphone, je suis massacré. Tous les gens à qui je réponds plus depuis des mois, le truc si est-il que j'ai plus le droit de regarder mon téléphone à domicile. Si est-il dès que j'arrive, mode avion, bam, le téléphone n'existe plus. Bien que décrivant une réalité, Camille Combal en rigole, ma femme a les règles de tout. Tu rentres chez moi maintenant, il y a un règlement intérieur comme dans un bahut. J'ai le droit à 3 avertissements, après je suis exclu de l'établissement. Je suis à 2 cartons jaunes là donc je n'ai plus qu'un parce qu'il y a eu un écran et le match des bleus hier donc je commence à lui dire ça si est-il Giroud et là d'un coup ça descend, pas d'écran. Donc je suis au 2e avertissement. À lire aussi tous ceux qui vous disent que c'est bien, ne les écoutez pas, Camille Combal se confie avec humour sur la paternité.